comme vous le voyez, c'est noté, Titi a probablement été représenté ou bien remplacé, si on peut le dire, cette fois-ci par celui qui a remporté les élections législatives. Bien sûr que ce n'est pas les mêmes schémas ou bien les mêmes directives avec les présidents. Pierre Djadam n'a jamais cherché à rentrer au niveau du Parlement, mais nous pensons que façon et son homologue ou bien son frère sang est en train de mener à. Rentrer au niveau du Parlement, c'est participer aux décisions du gouvernement, de passer, de participer aux positions du pays, à la direction du pays, parce que actuellement les députés ont un grand pouvoir maintenant. Donc nous accompagnons, nous félicitons tout cela parce que ça s'est passé dans l'engouement du règlement. Il n'y a pas de manifestation du côté des thèmes là-bas. Donc les élections, ils ont passé réglées, c'est-à-dire selon les règles, ils ont béni les combats, leur campagne. Alors, chef, José Ali Zati, vous connaissez très bien les lions qui a remplacé, en tout cas, Tipi Akadam, qui représente en tout cas la population Téma, et même en tout cas, c'est quelques autres et ethnies du Togo également qui sont derrière lui. En tout cas, vous savez très bien qu'il y a Tipi Akadam également. Sa popularité qui l'a fait mobiliser, qui a fait trembler le Togo il y a de cela quelques années. Alors nous prenons comme son remplaçant ou bien celui qui va continuer sur les mêmes alignements avec lui, qui serait bien sûr Ali Zati simplement, en voyant l'engouement des campagnes, des élections pour ces élections législatives. Ali Zati, comme vous le voyez dans les images, a été vraiment par la population Téma, les Kotokoli, les Tchaoudjo, les Bafilo, les Sokodé, qui sont restés solidaires sur derrière leur enfant qui est bien sûr Ali Djassi, le DG, c'est un DG en tout cas, comme le dit les Joseph. Il a remporté les élections dans sa localité, en tout cas dans son parti, pour représenter la population, en tout cas la population togolaise ou bien les localités au niveau de l'Assemblée nationale, pour participer aux décisions désormais du Togo. Vous savez, l'enjeu est tellement grand maintenant, l'enjeu est tellement grand parce que cette fois-ci, c'est là-bas qu'il faut choisir qui va diriger, qui sera la tête du pays. Et le gouvernement vient de l'adopter. Vous voyez les histoires des constitutions, des changements des constitutions, tout ça là, je crois que c'est passé derrière nous. On en a parlé beaucoup du 5e République du Togo. Et alors, donc, l'enjeu est beaucoup grand au niveau de ces élections et régionales, législatives et tout. Donc, et nous allons nous attendre, comme vous le voyez dans les images, sur Ali Djassi, donc qui a remporté les élections. Vous voyez la population, ceux qui le soutiennent, ses compatriotes en train de fêter cette victoire qui les anime beaucoup, qui les rend très 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 contents.
Et papa pour certaines personnes au niveau des côtes de colis et autres. Alors chef Foyusé, où est également maintenant, est-ce qu'on peut également parler de l'intervention de l'influence du président Achadam également qui n'est plus au Togo, qui est en exil, si on peut le dire ainsi, depuis très très longtemps, depuis quelques années à terme. Donc c'est déjà une fierté pour il n'y a pas eu des élections passées. C'est quelque chose qu'on doit féliciter le gouvernement également en place, même s'il y a des contestations jusqu'alors, d'autres accusés critiques qu'il y a des fraudes, des gens ont coupé des urnes pour tout. D'autres sont satisfaits, d'autres pas. C'est toujours comme ça. Donc c'est la population qui va dire ce qu'il, c'est la population qui va décider, c'est la population qui va dire les réelles choses, ce qu'ils pensent et les décisions. Donc nous espérons que les résultats qui seront donnés, qui sont actuellement en train d'être versés ou bien d'être mis en œuvre, que ce soit pour les bonnets des peuples togolais, que les choses changent de façon réaliste et pour une direction normale. Donc c'est ça. Donc je vais interpeller, chère population togolaise, de ne pas changer ou bien de ne pas se tromper de combat et de maintenir la paix et la sécurité, parce que c'est très important, comme je le répète chaque fois, les manifestations ou bien les réclamations, que cela soit dans les règles, dans les normes pour une bonne cohésion, une bonne manière de vivre pour éviter des violences inutiles. Donc réagissez, donnez votre avis, c'est très important, c'est pour changer votre pays, c'est pour changer votre situation, c'est normal, mais nous appelons à ce que les gens ne dépassent pas leurs limites, en tout cas pour ne pas avoir eu des arrestations comme cela s'est passé actuellement au Bénin, des arrestations, des trucs comme cela s'est déjà passé au Togo également. Chef Foyusé, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc c'est vraiment bien pour les côtés d'Ali Djassi. Ali Djassi. Ça, c'est à l'enfer. Parce que dans le monde, il y a des frères du monde. Il y a des gars, il y a des.
L'homme qui a fait trembler le Togo il y a de cela quelques années, eh bien la localité ou bien la région centrale ou bien et les domaines ou bien des thèmes que vous voyez, Tchaoudio, Sokode, Bafilo, tout ça là, vous savez très bien qu'ils sont représentés par plusieurs candidats qui sont et qui veulent également avoir une place au niveau de l'Assemblée nationale, puisque encore l'enjeu est très 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 grand maintenant, parce que c'est de là qu'il faut choisir maintenant qui va représenter la tête derrière lui. C'est un jeune homme très dynamique et lui qui vient de sortir de l'ombre, en tout cas on vient de le connaître, en tout cas vous voyez combien des fois les thèmes également sont debout pour représenter, pour avoir une grande place en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale ou bien dans la direction ou bien comment diriger ce pays qui est bien sûr le Togo là-bas. Eh bien, les élections sont finies, les résultats sont en train de tomber depuis cela. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est du côté de Ali Zaki, qui est bien sûr un Kotokoli thème, en tout cas, qui a fait ses preuves. En voyant les élections, la mobilisation des Kotokoli, comme on l'appelle quand même au niveau du Togo là-bas, on voyait l'engouement, la mobilisation derrière lui, bon, c'était déjà prévisible. Et selon les informations actuellement, il vient de remporter à la tête avec combien de pourcentage, on n'a pas encore cette information. Chers frères et sœurs, si vous êtes nouveau dans la région, n'oubliez pas de vous abonner avant tout. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager, de rester surtout, donner votre avis, c'est très important. Oui, parce que... Comme on l'appelle souvent, les DG. Chers frères et sœurs, si vous êtes nouveau dans la région, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo parce que c'est très important. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. D'ici là, donnez votre avis dans les commentaires, c'est très 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 important également.